Le gouvernement qui doit aussi faire face en ce moment à la censure partielle de sa loi immigration. 32 articles ont été retoqués hier par le Conseil constitutionnel. Certains prévoyaient notamment le versement d'une caution pour les étudiants étrangers. Réaction à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard où l'heure est au soulagement. Norbert Evangelista avec Denis Cole. Pour ces jeunes, venir étudier en France était un rêve, réalisé au prix d'un sacrifice. Atine est malgache. Pour s'inscrire à l'Institut technologique de Belfort, il a déboursé près de 4000 euros, rien qu'en frais d'inscription. Venant d'un pays qui a un PIB très bas, c'est très difficile pour nous de pouvoir venir ici. Et c'est pour ça que je dis que c'est un investissement, pour que ce soit pour les parents, mais aussi pour nous. Si le jeune ingénieur se disait prêt à payer les 3000 euros de caution de retour prévus initialement dans la loi immigration, Prince, Togolais, n'aurait pas accepté d'étudier à ce prix. Si cette loi immigration avait été votée à mon époque, ça ne m'aurait pas forcément permis d'arriver, même si après, quand je suis venu, j'ai été bien accueilli, mais cet accueil-là n'aurait pas été rendu possible par cette loi immigration. C'est pas la France que nous avons rêvé, en fait. C'est-à-dire, en fait, ce pays où on se dit, à l'image que le pays nous renvoie à cette cosmopolitanité, moi, j'aurais pas pu supporter, en fait. J'aurais pas fait le saut. Je le dis clairement, j'aurais pas fait le saut. Pour les enseignants, avec la loi, la crainte était simplement de voir les étudiants internationaux tourner le dos à l'université française. Les étudiants internationaux, c'est une vraie valeur ajoutée, que ce soit sur les cursus d'ingénieurs, mais également au niveau de la recherche. On a un certain nombre d'étudiants en thèse qui viennent de partout dans le monde. Et donc ça, c'est une vraie valeur de pouvoir échanger à la fois sur d'un point de vue culturel, mais aussi sur les pratiques scientifiques qui peuvent différer d'un pays à l'autre. L'Institut technologique de Belfort accueille près de 20% d'étudiants étrangers de 68 nationalités différentes.